savez comment il joue. Ma gueule. Il joue bien quand même, hein? Bon, je sais. Voilà. T'as vu les doigts? D'accord. Tes amis? Voilà. Ah oui, parce que on peut jouer les deux. Et il joue bien du Mozart, du Beethoven et puis du Johnny, lui. Quand il est parti, il est parti. Hein. Il sait même pas que je suis là. Ah, on va changer. En pleine nuit. Il va faire un pain, il va faire cling cling, tu vois. Allez, il a changé de musique, parce qu'il joue bien, il joue du classique. Puis là, il joue autre chose. Il aime bien été, il fait ça. Ah, salut! Ah, ben, je savais pas que tu regardais. Ben, si, je regarde. Je suis en train de travailler un petit peu mon piano, tu vois. Il faut que je travaille à la guitare. Ouais, c'est un peu difficile, mais à comprendre. Parce que ça, c'est un piano. Et puis, j'ai ma guitare qui est prête. Là, parce que, en fait, voilà, je vais aller jouer bientôt dans une cathédrale. Pour l'anniversaire d'un chanteur que j'ai bientôt, que j'ai bien connu, dont je t'ai parlé déjà, hein, qui s'appelle Johnny Hallyday. Et donc je suis en train de travailler un petit peu mes gammes, ça tu connais, hein. Je connais. Vas-y, continue. Tu vois, donc je travaille un petit peu plus classique, tu vois, mais je jouerai de la guitare. Donc c'est un gros événement qui va arriver le 9 décembre, voilà, et je vais jouer dans cette cathédrale, voilà. Donc je suis en train de préparer, et puis voilà, j'ai une amie qui m'a demandé, qui m'a appelé, si je voulais bien venir faire une commémoration annuelle, hein, puisque ce sera... Déjà quelques années que Johnny est parti, et donc je vais travailler ma guitare, et puis je vais jouer. Je vais pas chanter, hein, parce que j'ai pas la voix. Moi c'est plus du rondo, tu vois. Hein. Johnny c'est plus bonjour, comment ça va, tu vois. Ça c'est. Ah ouais, je te préviens. Mais moi pour chanter j'ai la voix plus de Renaud, tu vois, Baloche, musique comme ça. Voilà. Donc je suis en train de travailler ça. Et puis en même temps, tu vois, c'est ce que je te disais l'autre jour, quand tu peux jouer ma gueule, par exemple, tu vois, en même temps, tu peux jouer ça. Tu vois? Il y a eu un pain là, t'as vu, il y a eu... Moi je travaille un petit peu comme ça, tu vois, je fais un peu du classique, et puis la guitare, je fais du rock, de la country, parce que moi je suis quand même un chanteur de country, puisque j'écris mes chansons en anglais. Mais là, tu vois, ça me remet un petit peu dans le bain. Voilà. Donc derrière, je sais pas ce que je vais mettre, alors je vais te dire en fait.
Tu vois, j'étais dans l'avion hier. Donc, en fait, dans l'avion, si tu veux, en fait, j'étais assis comme ça. Tu vois, là, je laisse le piano. Parce que là, tu vois, c'est un panneau vert. Tu vois, je vais le faire. Hein, je vais faire clignoter, tu vois. Vert, fond. Tu vois, donc j'étais comme ça, puis tu vois, dans l'avion. Par contre, les images d'avion, c'était bien les miennes. Et oui, tu vois, on arrive sur l'aéroport, tout ça, c'était bien à moi. Hein, voilà. Mais là, je vais te mettre, je sais pas ce que je vais te mettre, hein. Tu verras bien, et puis, de toute façon, ça se trouve, peut-être, tu auras une carte météo, tu auras, je sais pas. Hein, voilà. Donc, je te fais des gros bisous, et puis comme ça, en même temps, je t'explique le fond vert, comment ça fonctionne, tu vois. Et puis, ce qu'on peut mettre derrière, et puis comment on fait pour les montages, tu vois. Parce que bon, bah, tout ça, faut le faire, hein, c'est pas toi qui va le faire, c'est moi qui fais appel à la post-prod. Voilà, ça c'est mon boulot. Alors je te dis salut, et puis à bientôt. Allez, bye. Voilà, ma gueule. Salut.